Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une tequila sunrise. Donc c'est un cocktail assez célèbre et vous allez voir qu'il est non seulement bon mais il est également assez visuel, il est assez beau. Donc pour réaliser ce cocktail, vous aurez besoin bien sûr de la tequila. Donc moi je prends la tequila San José, vous trouverez dans tous les magasins. Je prends également un jus d'orange de qualité, 100% pur jus hein, bien sûr. Plus vous prenez des produits de qualité, mieux meilleur sera vos cocktails. Du sirop de grenadine et des glaçons. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la première vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment utiliser un shaker Boston. Je vais vous expliquer comment on s'en sert, tout simplement. Donc on va déjà commencer par prendre le verre mesureur, et on va mettre 15 centilitres de jus d'orange dedans. Voilà, on met 15 centilitres. Voilà. On va rajouter 4 centilitres de tequila. Voilà, 4 centilitres de tequila. On va mettre ça dans le verre du shaker Boston. On va rajouter les glaçons. Donc là, vous en rajoutez, allez, on va dire 4-5. Ils ont deux fonctions, les glaçons. Ça permet de mélanger et ça permet également de refroidir cette partie métallique qui, au contact du froid, va se rétrécir, va rendre le shaker étanche. Et c'est aussi cette indication avec la partie métallique du shaker que vous allez savoir quand le mélange est réalisé. Donc on recouvre le shaker comme ça. Donc là, il n'y a rien d'étanche hein, parce que le froid n'a pas encore agi. Voilà. Et là, on met les deux doigts de cette main ici. On le met dans cette position-là, c'est-à-dire couché. Voilà. Et après, on commence à checker. Donc on fait toujours de l'avant vers l'arrière et vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais rapprocher la caméra après, donc on n'hésite pas à secouer et vous allez sentir le froid arriver sur la partie métallique qui va givrer. Donc on check jusqu'à ce que ça givre. On n'hésite pas à secouer, ça va assez vite givrer. Toujours d'avant vers l'arrière. Et là, ça y est, ça givrait. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On va checker encore un peu plus. Et là, vous voyez qu'on n'arrive pas à le désolidariser. Alors, une chose assez simple. On va se mettre comme ça. Pour le décoller, surtout, vous ne forcez pas. Il ne faut surtout pas forcer sur le verre. Ici, il y a une partie là qui se détache. On peut mettre un doigt. Ben, c'est simple, vous donnez un petit coup dessus. Voilà. Attendez. Voilà. Après, vous pouvez détacher. Vous prenez le filtre du shaker Boston. Vous le couvrez dessus. Vous prenez votre verre. Et vous versez. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des glaçons dessus. Mais le principal, pour faire une tequila sunrise, vous prenez votre tequila, votre grenadine par contre, et vous versez ensuite la grenadine dans le fond du verre, ce qui va créer un dégradé qui va du rouge au orange. Et là, vous avez votre tequila sunrise. Il ne reste plus qu'à rajouter des pailles, que je vais aller chercher de suite. Voilà, il ne reste plus qu'à rajouter deux pailles dedans. Et là, vous avez votre tequila sunrise. Donc, bien sûr, à consommer avec modération. Donc, 15 centilitres de jus d'orange, 4 centilitres de tequila, 2 centilitres de grenadine que l'on met à la fin. On check bien, on veut aussi pour bien mélanger la tequila et le jus d'orange. Et voilà, vous avez la recette de la tequila sunrise. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à liker et à
partager la chaîne autour de vous pour cet été. Là, on arrive au beau jour. N'hésitez pas. Je pense que ça fera plaisir à vos amis. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut !